vais pas vous faire la blague du bout. Parce que c'est des ghosts from the past, donc des fantômes du passé, que je vais vous faire un bout. Bonjour et bienvenue dans l'ouverture des fantômes du passé. Ça sonne moins bien en français que Ghost from the Past. Bon, cette extension a été très controversée parce que forcément, il y a des gosses dedans et apparemment le taux est très bas. Mais est-ce que sur une caisse, on va pouvoir s'en choper une? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de l'ouvrir. Mais avant ça, je remercie du coup Shenbox et son petit concours sur Instagram où j'ai pu obtenir le petit collier du Millennium qui fait plaisir, hein, il est joli. Allez, sans plus attendre, on s'ouvre cette petite box des familières. Déjà, alors une caisse, si je dis pas de bêtises, c'est plusieurs bobottes. Et qui dit plusieurs bobottes, dit plein de boosters. C'est-il pas joli ces petites bobottes Ghost from the Past? Allez, on s'ouvre ça, du coup, il y en a 5. La gosse sera-t-elle dedans? Allez, la première boîte, c'est parti. Du coup, 3 boosters. Est-ce que ça sent la ghost? Je sais pas. Ah, j'ai pas mis de tapis cette fois, tiens. C'est rare. C'est rare, mais j'ai pas mis de tapis. Par contre, si j'ouvre une ghost, du coup, la suite, je garde en scellé. Alors, le sceau hiératique de la suprématie. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Oise argent métalphose. Danger oiseau tonnerre. Alors ça c'est cool ça, parce que je crois que je l'avais même pas en plus en monstre danger l'oiseau tonnerre. Donc ça c'est cool. À force égale, mais c'est... Allez c'est bon, déjà on est refait. À force égale qui sort. Broum broum broum. Voilà, hein. Un premier booster déjà, c'est la régalade. Alors là, généralement si j'ai de la chatte comme ça derrière, il y a une ghost. Non je déconne. Ah, ce serait beau. Mais, ah, voilà, les solaires Valon. Ce que j'attendais avec impatience, parce que je compte, du coup, le marier avec Aroma. Je pense qu'il ferait un très beau couple. Du coup, la ligne solaire Valon, ligne 2. Impact Xyz. Top minière. Dragon Xyz du requin des ténèbres. Du requiem des ténèbres, pardon, je sais pas où j'ai dit requin. Et dragon céleste hiératique du seigneur d'Héliopolis. Pour l'instant, c'est pas dégueu. C'est des cartes que je n'ai pas, donc je suis assez content de cette ouverture. Allez, la suite. Oh, un petit Cosmo Joe. Terreur de Trishula. Sceau hiératique des cendres. Ah, un petit Dragunité, Phalanx et Tourbillon Dragunité. Parfait, le deck Dragunité aussi qui est en attente. Bon. Alors déjà, première boîte, je suis plutôt content, parce que j'ai eu déjà force égale, et c'est la Valonne, donc bon, voilà, je suis content pour l'instant, je suis content. La suite, du coup, 3 autres boosters, let's go. Est-ce qu'on sortirait pas tous les boosters et on s'ouvre tout? Allez, on va faire ça, on se retrouve dans quelques instants. Allez, ça nous fait une belle brochette de boosters. On va continuer l'ouverture. Je pense que je sais pas, ouais, c'est 3 boosters, ok. Donc on peut leur arracher la tronche, c'est bon. Alors, téléporteur d'urgence, Pudding Cess Magie Dolché, contre Métalphose, et vaisseau lunettes des voleurs du temps, et pour terminer, la cérémonie du chevalier étoilé. Bon, toujours pas de ghost à l'horizon. On espère avoir une petite quand même. Ce serait cool, une petite ghost là, pour aller dans la collection. On va pas cracher dessus, n'est-ce pas? Alors, prison royale, pareil, très bonne carte. Retour en arrière des voleurs de temps. Combinaison métalphose. Terreur de Trishula. Et régleuse des voleurs de temps. Ça, c'est cool pour ceux qui veulent faire un deck time thief. Enfin, voleurs de temps, quoi. C'est bien parce qu'elles sont dedans. Ainsi que les dragunités. Épée du brouillard des chevaliers fantômes. Changement de masque 2. Diapason en réaction, l'éruption des monarques, et... Ah, Solaire Valon, faudrait vraiment que j'apprenne à dire correctement cet archétype, parce que je crois qu'en anglais c'est Sol Valon, je sais plus... Il est beaucoup plus simple à prononcer en anglais. Ok, déjà j'en ai 2 sur 3, il me semble qu'il y a 3 lignes qui sont sorties. Déjà 2 sur 3, si j'arrive à avoir les 3, je serais content. Gigante... Ça me fait penser à Resident Evil avec El Gigante. Orducteur Métalphose. Dragon Buster. Oh, mais putain. Oh là là, ça, je suis content pour le Dragon Buster. Assyrène Métalphose. Et Chevalier Dragunité. Ah, yes. Ah, oui. Oh putain, mais je vais pouvoir terminer le deck Dragunité.
Et ça, c'est plutôt cool. Alors, dragon hiératique, roi d'Antum, secrétaire de sauvegarde. Je sais même pas que t'es réédité dedans. Et la troisième link, voilà, avec Solaire Avalon. Mais voilà, je suis refait. Bah, déjà, je suis hyper content parce que j'ai obtenu les trois cartes que je voulais, je les ai eues dedans. Donc, j'aurais même pas racheté des boosters ou des cartes unités. Lancement des voleurs de temps et vide marionnette de l'ombre, elle. Vous voyez des marionnettes de l'ombre là-dedans? Ah oui, ok. Durandal Artefact. Avec ses artefacts. Village Ojama. Ah cool. Floraison Solaire Avalon. J'ai l'impression qu'il y a les pièges aussi. Faudrait que j'arrive à la choper tout du coup. Contre Métalphose et Rémus Dragunité. Aïe aïe aïe. Il reste encore quelques boosters. Combien? Ah bah du coup c'est comme si on a, c'est comme si on avait terminé une boîte. Du coup on en entame une deuxième. Il reste encore 6 boosters. C'est encore une chance. Draco Equiste Paladin Dragon. Elle est super belle comme monstre fusion. Sortelette fraîche Madolche, enfin Magie Dolche, mais j'ai envie de dire Madolche quoi là. Ville des engrenages, appel du diapason, saut hiératique de la création. Bon, des petites cartes qui intéresseraient plus Marine que moi du coup, parce qu'il y avait du roi ancien et du Madolche. Saut hiératique du reflet, servante volcan Laval, brouilleur de mise à jour, dame des ténèbres, oh elle est jolie. Cosmol, ok, je connaissais même pas cette carte. J'aime beaucoup, elle est à la fois et terrifiante et chelou. Et Archer Laval. Donc le deck Laval, je suis pas très. Je suis pas très enthousiasmé du deck Laval. Boîte du bois Cosmos. Cosmo, pardon. Épine diabolique. Wallflame Métalphose. Dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Et le dragon en level 10! Putain, mais j'ai toutes les cartes que je voulais. Là, il manque plus qu'une ghost. Et pour moi, c'est nickel. Là, franchement, j'ai eu des trucs de dingue. Enfin, pour moi, ce voilà. C'est pas forcément que c'est parce que ça cote. Hein. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a les cartes aussi. Dragon épée, Cypher aux yeux galactiques. Ombre solaire graine. Ouais, solaire graine. Sortelette à nouveau fraîche, magie dolché. Oh, c'est Yaryu. C'est hérédité, ça, il me semble. On parle de ce nom. Ou alors c'est nouveau, mais. Et le dragon en level 10, une deuxième fois qu'il tombe. Ok. Ok, ok, ok. De toute façon, je vais peut-être passer à côté d'une pépite et j'ai même pas réagi parce que je n'en cherchais pas. Téléporteur d'urgence. Animal féerique, Roca. Enrôlement, dragunité. Saut hiératique de la convocation. Et nécrose d'Aldebler. J'arriverai pas à dire son nom. Il y a trop de voyelles et pas ça fonctionne. Le dernier booster. C'est là qui. On va le savoir maintenant. Le métier est dedans. Changement de masque 2. Oisillon de la vallée de brume. Mage splash. Fusion métalphose. Et la dernière, je ferme les yeux. Vous allez voir un moment, vous savez quoi. Ah, je suis dans l'unité. Et dommage, la ghost n'est pas sortie. Ah! Après, voilà, le taux de drop des ghosts étant vraiment très très bas, je m'attendais vraiment pas à en avoir. Ça aurait été cool si j'en avais une, mais moi j'ai obtenu les trois lignes que je voulais. Et juste ça, bah pour moi, c'est banco. Moi, je suis content. Je suis content. Voilà, c'est rien à dire de plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à lâcher, bien évidemment, le petit pouce bleu et me dire en commentaire combien de boîtes vous avez ouvert de Ghosts from the Past, de fantômes du passé. Allez, allez, il faut me le dire dans les commentaires. Le référencement, tout ça, tu connais. Allez. Allez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous. Bye.